Bonjour les amis. Je voulais tout d'abord, en ce 22 avril 2019, vous souhaiter d'excellentes fêtes de Pâques. Cette vidéo a pour objet des explications sur ma prochaine méditation guidée qui s'intitulera Éveil du troisième œil et perception de l'aura. Donc, l'aura, c'est cet ensemble d'émanations de nos corps subtils qu'on peut voir par clairvoyance ou ressentir en magnétisme sur une zone de plusieurs centimètres à plusieurs mètres selon les cas autour de notre corps physique, même si cela ne fait pas partie du corps physique, mais de corps subtils. Hein. On devrait dire plutôt des auras. Il y a une aura éthérique pour le corps éthérique, une aura astrale, une aura mentale, etc. Peu importe. L'aura qui sera surtout étudiée lors de cette méditation guidée et lors des vidéos qui suivront quant à s'exercer par différentes pratiques à percevoir les auras, ce sera plutôt l'aura astrale qui concerne nos émotions, nos sentiments, nos pensées. Pour avoir le maximum de précision sur l'aura, vous pourrez commander chez Deboska Productions leur vidéo qui s'intitule L'aura, carte d'identité de l'âme, qu'ils ont réalisée quant à mes lectures d'aura il y a quand même maintenant plusieurs années. Mais vidéo qui reste toujours d'actualité et que je vous conseille fortement de commander. Voici le boîtier et je vais vous mettre une image. Alors pour commander cette vidéo, il s'agit d'aller sur le site www.deboska.production. .fr, hein. Donc Deboska, Deboska.fr. C'est dans la collection Rencontres et partages. De toute façon, vous avez une rubrique Recherche. Et à la rubrique Recherche, il vous suffit de marquer Jean-Michel Homeau. Et de toute façon, vous parviendrez tout de suite à la commande possible du DVD L'aura, carte d'identité de l'âme. Là, c'est quand même une étude assez complète. Donc là, vous pourrez avoir beaucoup d'éléments précis. Et c'est quand même assez vivant comme vidéo. Voilà. Donc là, je vais vous mettre l'image en rapport avec la vidéo.